Et plop les gens, de retour sur Yoku's Island Express. Du coup, on était arrivé pas si loin que ça, des pics d'ivoire. Mais quand même pas tout en haut encore. Je me souviens déjà plus que ça m'apportait ça. Ah oui, c'était voir tous les coffres. Ça, j'avais aucune... Ah. J'ai un petit doute là. Non, c'était à droite que je voulais aller. J'ai un petit doute, est-ce que je peux passer par là? Là, en remontant là, est-ce que j'ai assez de vitesse pour m'agripper? Ok. Oula. Faut reprendre les réflexes. Ok, ça a l'air d'être ça en fait, l'astuce de la dernière fois. Non. C'est compliqué quand même. Non. Oui. Parce que là, oui, je crame. Je crame, mais... Là, je peux plus rien faire, je suis grippé. Bah non, c'est pas la bonne méthode. Donc on aura fait un petit détour pour pas grand chose. Hop là. Alors ici... Il y avait descendre en bas à droite là que je n'ai pas fait. Je me souviens que j'avais galéré, mais récupéré l'osillon tout en haut. Apparemment on va à gauche, c'est fait, donc on va dire que c'est fait en tout cas. Je vois pas comment récupérer l'osillon qui est juste là au centre de l'écran au-dessus du télescope. Mais la cavité en dessous, enfin les cavités en dessous ont l'air d'être faites. Que là si je vais là. Ah, la cavité juste au-dessus, je sais pas trop comment y aller, mais celle d'en dessous c'est fait de toute façon. Je ne sais pas trop. Ah oui, et là, ce qu'on voulait tenter. Oh, ça va vite. Ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Alors, hop. Ce que je veux déjà, c'est de changer de sens. Okay. Et trop vers le bas. C'est pas évident de savoir à quel moment il faut lâcher. Oh non, j'y étais presque. On va se laisser quelques essais encore, 2-3 peut-être, et après on avancera, ce sera tant pis. Et zut. Chaque fois ça sauvegarde parce que je suis obligé de passer par là, mais ça sauvegarde pour pas grand chose.
coupe là. Oh là là, là j'aurais dû passer. Alors peut-être qu'il y a une autre méthode qui fonctionne mieux, je ne sais pas. Oula. Mais genre là, là c'était le truc parfait par exemple, mais du mauvais côté. Non. Alors. Non. Toujours pas. Bon, moi je crois que je vais abandonner. Peut-être dernier essai, allez. On se donne un dernier essai. C'est pas si grave, c'est toujours pas trop à quoi ils servent les osillons, s'ils sont obligatoires ou pas. Alors est-ce qu'on monte par la gauche? Normalement on en a plus besoin. C'est moi où il y a une grosse coupure là, bien nette, juste au-dessus de la bulle du vendeur. Alors là, non. Donc là, on les retrouve tous. Merci du coup de patte pour le guano. Je suppose que c'était tout naturel pour quelqu'un comme toi. Pour un bousier, je veux dire. Et il n'y a pas de mal à être un agent de la poste. Chacun a une tâche à accomplir. Va chercher cette eau potable. Les sources sont juste après le lac gelé. Moi, je supervise la tâche. C'est tout aussi important que le reste. Ok. Ah, regardez, juste là. Juste à droite de mon personnage, il y a une barre verticale un petit peu dans le dessin. Du coup, je crois... Obtenir de l'eau potable, c'est ici. Et je n'avais pas pu le faire parce que je n'avais pas encore les... le pouvoir rose. Et de l'autre côté, enfin quand j'étais venu un peu à l'arrache, et de l'autre côté, là j'aurais dû revenir en arrière pour les voir et non pas les voir en montant. Donc, le magicien. Oui. Ah, mon fidèle bras droit, c'est un plaisir de te voir. J'ai localisé le morceau suivant. Il se tient juste au-dessus de nous. Il semble pris dans la glace. Ne t'inquiète pas, je ne compte pas grimper cette fois. J'ai un autre plan. Occupe-toi de le déloger. Vas-y, je crois en toi. Attrape-le. Est-ce que tu attends? Casse cette stalactite et récupère le prochain morceau. D'accord. Ah.
Même pas un petit bout. Cet endroit s'appelle le lac du cratère, crois-le ou non, mais il y a énormément d'eau sous la glace. La légende raconte que c'est là où Mokuma a atterri en arrivant sur l'île. C'est lui qui a formé cet énorme cratère. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Je n'accorde pas trop d'importance aux mythes et légendes. Et donc là, on peut remonter. On va le faire tout de suite. Mais on explorera le... On explorera après. Les choses ne sont pas déroulées comme prévu. Je ne connais aucun tour impliquant de l'eau. Alors il va falloir plonger pour récupérer le morceau. Oui. Sauf que moi, j'ai pas prévu de plonger là tout de suite. Je vais aller à droite. Et je plongerai après. Alors quand la corne de la montagne retentit, l'ancien pleure. Du coup, s'il pleure, je suppose que ça nous donnera notre eau. La corne de la montagne, elle est là-haut. D'accord. Mais est-ce qu'il faut le... Est-ce qu'il faut lui mettre le seau d'eau en prévoyance? Non. Hop là, non. Pas par là. Hop là, hop. On est d'accord que c'est un mur qui m'a repoussé, c'est pas... C'est pas moi qui ai réussi à rattraper le coup. Parce que là, sinon, on tombe bas. Alors là, on revient ici, très bien, oui. Et c'était même pas un vrai niveau. D'accord, lui il pleure avec la bouche. J'ai aucun souci avec ça. J'appelle juste pas trop ça pleurer. Hop là. Donc on a un seau d'eau maintenant. On va essayer de plonger. Pour le magicien. On a un seau d'eau rempli d'eau dans notre sac. Et on va dans l'eau. Il y a un truc qui se met en plein écran, mais une pièce, ouais. Bonjour mademoiselle, je suis un poisson. Non, ok. Il me semble qu'à gauche, oui, il y avait bien un passage. Ouais, c'est ça le défaut par contre, c'est que vu que je bourrine le bouton pour... pour descendre, ben... J'ai pas le temps de voir le message apparaître. Oh malheur, le morceau s'est brisé en de nombreuses pièces. Il va nous falloir un artisan expérimenté pour réparer tout ça. Le contremaître des mines d'Optanium me doit un service. Apporte-lui les différentes pièces et demande-lui de le réparer. Mine d'Optanium, ça doit être le... La taupe là-haut. En attendant, je me charge de trouver le prochain morceau. Retrouve-moi chez moi. Moi, je prends le raccourci. Ok, on peut pas. Bon, la sauvegarde, ça devrait aller, je pense qu'il y en aura une juste là. Yoku, mets ça dans la terre. Planter la tige de haricot. Oui, mais où ça? Ah bah juste ici, ok. On va prendre la sauvegarde quand même.
Donc la graine, la bouse, le seau d'eau. Oh punaise. Je n'arrive pas à croire que ça fonctionne. Allons escalader. Allons escalader, oui. Ok. Très mal visé. Non, je voulais pas les sortir de l'écran. C'est bon, ils sont toujours là. Je voulais leur reparler en fait. On a réussi. Allons escalader. Huche. Ok, non. Mauvaise idée du coup. Tiens, l'arbre disparaît, mais il a pas l'air d'avoir une cavité ou un endroit à explorer atteignable juste avec l'arbre. Oh punaise. Non, ça ne veut pas fonctionner. Oh punaise, non. Je n'arrive pas à viser. Ouais, on va s'arrêter au premier étage. Voir ce que explorer petit à petit. Non. J'aurais dû le faire tout de suite. Hop. Voilà. Donc là on a la sauvegarde. L'arbre il va au moins jusque là-haut. Tiens, on le voit là-haut le monsieur. Et je pense qu'il y aura besoin de lui pour aller à gauche. Ok. Et on va passer loin. Et oui, c'est... Là, c'était bien un coup de vent qui nous a ramené. J'ai vu. Oh non. J'ai juste lobé le truc rose à pas grand chose là. Oula, non. Bien, je voulais aller pile dans l'autre sens. Plus ça va, moi j'arrive à aller là où je veux, j'ai l'impression. Est-ce que je vais à gauche ou à droite? J'ai essayé d'aller en haut pour vérifier, mais voilà. Non, mais non. C'est compliqué, hein. Ah, ok. Ici, c'est plus facile, du coup. On avait bien une dizaine. C'est peut-être pas le... plus dur à accéder du coup, mais tant que j'y suis,
Bonjour. Et mince, si. Ouf. J'ai à peine eu le temps. Qui êtes-vous? Merci beaucoup. J'ai été victime de la glace pendant des jours. Je venais méditer dans l'espoir d'élever mon esprit. J'espérais que les moines de l'espace m'accepteraient si j'améliorais mon niveau intellectuel. Mais je n'ai acquis que des connaissances futiles. Par exemple, je sais que tu as récupéré 3652 fruits. Avec un inventaire de 400 maintenant qu'il est bien amélioré. Quelle perte de temps. Je retourne au village. Reviens me voir si mes pouvoirs peuvent être utiles. Tu t'es téléporté. Et ici je peux tomber, mais à part refaire la montée, ça n'a pas l'air d'être d'une grande utilité. Au final, ça fait la même chose. Bon, je suis content, j'aurais pas retourné sur la gauche au moins. À part si j'oublie. J'ai eu peur. Non. Oula, 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 oula. Mais arrête-toi! Je sais que la boule est trois fois plus forte que toi, au moins, mais quand même. Un peu haut. Terminé l'escalade. Nous voilà au sommet. Je ne sais pas vraiment à quoi je m'attendais, mais maintenant que j'y suis, ça n'était clairement pas à ça. Mais ouais, tous ces gens qui se font embrigader pour faire de la randonnée, de la montagne et tout, et puis après... Incroyable! Les moines de l'espace existent vraiment! Il faut que je voie l'intérieur de leur appareil. Ok, retrouver Boone au pic d'Ivoire. Donc là on va descendre... Belle. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai appuyé sur un bouton. Arrête! Ne touche à rien! J'ai dit que j'ai appuyé sur le bouton. Bon, ils ont pas l'air très ravis que j'appuie sur des boutons. Et la chouette, est-ce qu'elle est contente d'être ici au moins? Apparemment. Mon pèlerinage est terminé. Je vais rester ici et contempler la vue splendide qui s'offre à nous. La terre a de nombreuses mélodies à offrir à ceux qui écoutent. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas parler avant la fin de mon voyage. Et là, je suppose... Non, là, il y a un rebord pour m'empêcher. Ça fait une vue. Une jolie vue. Ça fait une jolie vue. Huch. On a failli pas y arriver. Alors là, on va monter. Donc, apparemment, quand on descend, on se fait gronder si on touche les boutons. Boone, bienvenue dans notre établissement. Je m'appelle Boone, je suis le chef des moines de l'espace, et voici mon vaisseau spatial. Une lettre pour moi?
Nul dit qu'ils ont un besoin urgent. On ne peut rien faire. La fenêtre de lancement est très courte. Et on en aura plus. On n'en aura plus avant des années. Le moteur de vaisseau n'arrête pas de tomber en panne. Quelque chose bloque l'échappement dans les tunnels en dessous. Va dans la salle des machines et parle à mon ingénieur pour voir quel est le problème. Je descendrai peut-être avec toi après le lancement. Ok. En science, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Autrefois, lorsque l'ordre résidait sur la colline aux essences, j'avais un partenaire qui n'était pas de cet avis. Quand nous avons déménagé sur les pics d'ivoire, j'ai dû l'abandonner. Mais c'était au nom de la science, donc ça va. Ok. Je pense qu'ils vont m'ouvrir le passage à un moment. Ok. C'est relou la descente. C'est bel et bien lui. Oh, Moon t'envoie. Je n'arrive pas à trouver ce qui bloque l'échappement. J'ai fait de mon mieux, mais rien ne sort. Il va falloir que tu descendes dans les tunnels pour voir si tu peux le déboucher. L'accès au tunnel se fait par le portail au bord des falaises. Réparer l'échappement du vaisseau spatial. Et là, le bouton est enfoncé. Donc j'avais raison d'appuyer sur le bouton. Alors ça, c'est pour revenir. Oh. Je suis dégoûté, mais de l'autre côté, j'ai trouvé lui. Qu'il faut appuyer sur voilà au bon moment. Là ça doit être pour de la remontée, ça aussi. Tu as réussi à aller jusque là, parfait. Entre là dedans et essaie de trouver ce qui bloque l'échappement. Ouais, il y a une araignée. Spoiler, je suis pas sûr que l'araignée ça fasse du bien un échappement. Surtout si elle est pas de l'avis de se faire carboniser par un lancement de fusée. Salle déserte. Enfin, y a des petites araignées là que j'avais vues surtout, mais. Réussissent à les prendre les bananes. C'est déjà bien mieux. Ok. Et voilà. Ce que je me disais, j'aurais pu aller à gauche aussi, mais pas vraiment un chemin. Monastère de l'espace.
que c'est bien ça. Ah mince, j'aurais dû... Ah non. Tant pis. Ah, le combat est lancé, du coup on ne peut plus sortir là, le truc à droite est coincé. Donc à faire hein, si je peux avoir quelques fruits supplémentaires sans trop m'embêter. Ça va un peu vite, je n'y arrive pas par contre. Ah oh, zut. Hi, she cakes wing. Are you French or English? Are you the dev? Oh. Péter ce truc là aussi, je sais pas ce que ça ferait, si ça m'aiderait ou pas. Mais vu que je tape tout le temps dedans, trop tard, loupé. Le boss, ce qui ne m'étonne pas, mais ça sert pour l'histoire. Bref, c'est à peu près, c'est pas ce que j'espérais, mais c'est logique. Je peux passer par la gauche là, je ne savais même pas. Ok, il fallait faire les deux côtés rapidement. Et maintenant, faut retrouver la limace.
Limace. Ah, limace. Oups, désolé, misclic. Tester la théorie que elle ne remet ses pattes que si elle me bouffe. Ouais, c'est ça. Là, elle va remettre ses pattes, voilà. Donc c'est pas une histoire de timing, c'est juste une histoire de pas se refaire bouffer entre temps. Ce qui a failli se passer en essayant de... Oh non, de trop assurer. Oh, dommage. Non. Zut. Voilà. Parfait. Coupé. Et voilà. J'ai réussi, Yoku. Le vaisseau va décoller dans un instant. Alors sors de là pour ne pas finir en toast. Nettoyer les toiles d'araignée. Une jeune araignée seule et abandonnée. J'ai mis trop de temps. Et ils y arrivent. Le lancement a réussi. Je vais remplir ma part du marché et aller au village. On se retrouve là-bas, Yoku. Il y a une alpeline juste au-dessous du pic. Si tu peux te le permettre, c'est le moyen le plus rapide de retourner au village. Les moines de l'espace ne laissent personne se mettre entre eux et leur objectif. J'aime bien cette façon de penser. Nous avons réussi, Yoku. Comme prévu, les chefs sont tous ici. Retournons voir Nim. Retournez voir Nim. J'avais oublié que c'était pas juste une personne dans une bulle. Là. Ah.
Je n'arrive pas à croire que Jamja soit parti avec les moines de l'espace. Je pensais que ce n'était que des paroles en l'air. D'ailleurs, est-ce que l'autre, il a quelque chose à nous dire? Ah, il y a une araignée. Cette petite chose a perdu son foyer et sa famille au cours du lancement. C'est un lourd prix à payer. Connaîtrais-tu un endroit qui l'accueillerait? Isno, il restera ici avec moi à partir de maintenant. Tu lui trouves un foyer approprié, reviens ici. Mais non. Oui, oui, cela me soulage d'entendre ça. Je t'en prie, amène-le ici. Apaise son âme fatiguée. Ok, je sais pas où c'est, mais je préfère éviter d'avoir à revenir. Logiquement, on va le faire parce que j'ai vraiment pas envie de remonter. Logiquement, ce n'est pas ici. Sérieusement? Merci. Ah zut. Alors... Ouais, non, ça... ne sert pas à grand chose. Alors ici on s'en fiche. Un, deux, trois, on n'a pas besoin. Celui-ci non plus, on n'a pas besoin. Donc après on va rentrer. Je crois qu'on en a pas besoin. Un, deux, trois. Zut. Va falloir que je remonte tout et que je redescende. Parce que là... Ouais, ça c'est le seul moyen. Du coup, j'ai l'impression qu'il faut qu'on tombe là-dessus. Et qu'on est à droite. De toute façon... Bonne nouvelle, j'avais oublié, mais il fallait qu'on aille voir ce mineur. Qu'est-ce que c'est ? Un artefact brisé ? Laisse-moi le voir. Ouais, je peux le réparer. Attends. Tiens, il est comme neuf, mais ne le casse plus. Une autre pièce du puzzle du Mbaba. Devriez la ramener à la tente de Willow. Donc là il y a un coffre, là il y a un... Et toute cette zone là... Non, non. Je me confonds avec XY. Il y a toute la zone entre... ouais. Qui n'a pas été explorée. Entre
tout en haut et le milieu. Ah mais oui, je vais retourner là-haut. Parce que ça va me permettre déjà de reprendre la ligne et de retester ici. Et d'acheter aussi les grandes plantes carnivores qui poussent par ici. Elles sont inoffensives par contre. Elles adorent mâchouiller les boules de suie. Elles sont carnivores ou inoffensives? Ça me paraît pas aller très bien ensemble. Non, j'ai pas besoin de prendre en plus. Alors j'ai besoin de monter là. Il me semble qu'en bas ça ne sert à rien. Et ben j'ai bien fait d'y retourner sans le vouloir quand même. Ah non, là-haut, j'y arriverai pas. Non, non, je ne veux pas me refaire aspirer. Pendant que des enfants crient à la mort. Mais c'est pas grave, on est déjà bien assez riche. J'allais dire trop, mais c'est jamais trop. Du coup, il faut monter et puis aller à droite seulement. Donc là, normalement, juste en allant à droite, on devrait le retrouver. Et on a 400 sur 400. Donc on devrait avoir suffisamment de sous pour lui. J'ai eu peur une seconde en voyant que sur la carte, ça s'était pas désactivé. Mais c'est bon. Coucou petit insecte. J'ai chippé cette carte dans la cachette de Spina. Ce n'est qu'une fois avoir fait tout ce chemin que j'ai réalisé que je ne savais pas comment la lire. Elle est censée afficher l'emplacement de chaque coffre sur l'île de Mokuman. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je veux bien me séparer de ma carte au trésor pour la modique somme de 300 fruits. Oui. Hé hé. Tout le monde y gagne dans cet échange. Bonne chasse au trésor, insecte. Pardon. Vous avez obtenu la carte au trésor. Elle affiche tous les coffres au trésor non ouverts sur la carte. Il va falloir que je fasse profil bas avant de pouvoir dépenser tous ces fruits. Bah, mange-les, non? Ah oui, et là, du coup, au lieu de les repérer plus ou moins, et du coup, de loin, pas du tout, on a clairement une icône sur la carte. C'est sympa les icônes qu'ils ont fait. On repère bien. C'est mignon, on repère bien. C'est peut-être parce que ça bouge aussi. C'est pas les mêmes couleurs. C'est tout ce genre de petits détails. Spina ne recrapera pas la disparition de la carte avec les centaines de plans qu'il a dans sa cachette. Peine, je lui en taxe 5. Non, en plus, ça me sert à rien. Peut-être essayer un petit coup de... De toute façon, si je veux faire du 100%, ce que je fais très rarement. Il
faudra que je revienne par ici et que je comprenne comment prendre celui de gauche. Alors, est-ce que j'y arrive? Non. Bon, allez, tant pis. Non. Alors là, du coup, est-ce que je réessaye? Pas. Non. Par contre... Non, ça n'a pas l'air de servir à grand chose. Et ici, Ah. Allez. Fallait le planter dans un endroit froid, lui. Vraiment. Vraiment. C'est marrant, en fait, tous les palais bloqués sont marqués comme bloqués sur la carte, même si on les a déverrouillés. Pourquoi c'est pas marqué que j'en ai deux? Ça c'est quoi? Ah oui, c'était là. Oui, froid et isolé, loin de la végétation de la jungle. Froid, oui, plein d'endroits froids, mais... Peut-être par ici, là, il y a un truc isolé. Tant pis. C'est quoi ces trucs-là? On dirait des sous. Les salles sont là. As-tu vu un trésor quand tu étais dans les grottes? Je demande juste par curiosité. Tu sais quoi? Nous parlerons plus tard. Va dire à Nîmes qu'il est temps de commencer. Oh mon dieu là! Préviens Nîmes que nous pouvons commencer l'expérience. Oui, mais non.
On va lui demander à lui d'abord son avis. J'ai pas envie de me jeter dans le... Maintenant que nous sommes tous réunis, il faut dissiper ces ténèbres. Prévenime que nous y assistons. Que nous y assistons. Alors. Excellent. Encore un morceau trouvé. Apparemment, il en manque deux. Je pense que la troisième pièce nous attend dans le temple antique sous la surface de l'île. Effectivement, j'avais bien vu là. On va sauvegarder. Ah, il y a l'autre à la droite. Le Roulard, agent de la poste. Les colis en retard sont sur la table. Coco. À pêcher ou Queen Bee? Pêcher, parce que Queen Bee, je sais où elle est, je sais qu'elle veut pas me voir tant que j'ai pas de costume. Ah, c'est peut-être lui qui voulait me faire un costume. Je ne sais plus. Voyons ce que l'on peut faire avec cette boule. Une babiole d'effroi? Pas mal, pas mal du tout. Une babiole en nichoir? Un nichoir noir? Ça pourrait servir. Aucun, moi. Ce style en ivoire est un classique, mais bien trop basique. N'oublie pas de m'apporter toutes les babioles décoratives que tu trouves. Apparence mortelle. Apparence d'effroi. Et là, c'est pour enlever l'apparence. Scarabée stylé. Petit succès au passage. C'est vraiment effroi là, la coccinelle. Ah. Genre effroi, c'est juste ça. Mortel, c'est juste ça. Mais si on fait effroi et mortel, on a une araignée. Qui, je pense, pourra nous servir pour trouver l'endroit ou se faire accepter à l'endroit des araignées. Salut Scarabée, merci encore pour la décongélation. Je n'ai rien de matériel à t'offrir, mais je peux utiliser mes pouvoirs pour t'accorder des connaissances futiles. Tu as chuté dans l'évacuation 67 fois. Tu as ramassé un total de 4048 fruits. Ta boule a fait 24804 tours. Tu as parcouru 219,413 longueur de l'île Mokumana, telle une taupe qui creuse son tunnel. Tu as fait éclater 2963 bulles. Tu as fait exploser 182 limaces. Tu as fait un total de 370 tours avec le grappin. Tu as actionné les canons de l'Alpine 164 fois. Tu as fait 31 remises en jeu arc-en-ciel. Hein? 31 remises en jeu arc-en-ciel. Tu as soufflé dans le sifflet 699 fois. Tu as récupéré 50 sur 80 aux ions. Ah, quand même, plus de la moitié. Tu as chuté dans les questions 67. Ok, je crois qu'il... Ouais. Il boucle bel et bien, c'est pas du hasard. Ensuite, ok. Et je pense qu'on va arrêter l'épisode ici, il fait une heure à peu près. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des commentaires si j'ai oublié quelque chose, pas vu quelque chose, ce genre de choses. Si vous voulez que j'essaie de faire quelque chose, je ne sais quoi. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir aussi, surtout aux algorithmes.
Je vous dis.